Salut les petits loups, c'est X, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Bah non, mais tu t'imagines bien que si je me suis fait chier à faire tout ce décor, c'est pas pour faire le lancement de la vidéo dans mon salon. Nouvelle année ? Qui dit nouvelle année, dit nouveauté. Nouvelle déco ! Une nouvelle déco comme tu as pu le voir dans l'intro, j'ai passé quelques semaines à complètement changer mon espace. Cette pièce avant c'était du n'importe quoi, c'était un atelier, hein, ni plus ni moins, on pourrait appeler ça comme ça. J'ai tout remanié, ça m'a permis de bricoler plein de trucs qui vont être l'objet de tutos. J'ai fait plein de modifications, j'ai notamment modifié mon bureau par exemple pour pouvoir le monter à la voix, ça sert absolument à rien mais c'est trop cool. Alexa, monte le bureau. Ça, c'est le genre de trucs qui vont faire l'objet de tutos sur la chaîne. Je vais vous expliquer comment modifier un interrupteur ou n'importe quel appareil pour pouvoir le brancher à un relais qui sera relié à Alexa et qu'on pourra bien sûr contrôler à la voix. C'est super cool. Une fois qu'on a compris ça, on peut modifier absolument tout ce qui se trouve dans une maison. Une cafetière, un interrupteur, des chiottes, tout ce que vous voulez, on peut tout automatiser. Et ça, c'est mortel. Voilà, ça va vraiment faire l'objet de plein de vidéos explicatives. Je vais faire une grosse vidéo sur comment j'ai installé le setup et comment j'ai changé la pièce. Et on fera des petits tutos éparses sur les différentes fonctions de ce setup en question. Et nouveau cadeau ! Eh bien oui, nouveau cadeau parce qu'on a dépassé allègrement les 11 000 abonnés. C'est quand même pas rien. Donc on va faire un gros giveaway. Je vais vous offrir un drone, une radio, le récepteur qui va avec qui sera bien évidemment installé dans le drone sera paramétré, prêt à voler, et le tout sera livré dans un sac de transport dédié au FPV. Alors on aura un bon petit package pour commencer le FPV, ça fait plaisir. Alors malheureusement j'ai pas le budget pour ajouter dans le lot des lunettes, pour avoir un truc ready to fly, mais bon c'est déjà pas mal, je vous offre un petit combo pour se mettre au FPV, ce sera parfait pour les débutants. Alors pour participer ça va être très simple, on va un petit peu changer du fonctionnement habituel du giveaway sur la chaîne, là ça va se passer sur Instagram. Première étape, il faut d'abord t'abonner à mon compte Instagram, c'est Xtagram, tu vois là, il s'affiche là. Tu t'abonnes, tu cherches la dernière publication, c'est celle du concours, et dans les commentaires tu mets « je participe ». Dans 2 semaines, je tire le gagnant. Alors attention, je vérifierai si le gagnant et bien abonné à mon Instagram. Si t'es pas abonné, t'es disqualifié. Ouais, mais c'est comme ça, c'est mon compte, je fais ce que je veux. Donc voilà, dans 2 semaines, on tire au sort, et puis le gagnant repartira avec le gros lot. Et ça, ça fait plaisir. Le plus fou dans cette histoire, c'est que moi, je suis là, je vous offre des cadeaux, alors qu'il y a quelques jours, c'était mon anniversaire. Il faut le savoir, ça. C'était mon anniversaire, et j'offre des cadeaux, c'est pas le monde à l'envers, là. On est où, là? Et ce qui est marrant, en plus, c'est que je suis né le même jour que Mister Steel. Coïncidence? Je ne pense pas. Sauf qu'il est plus jeune que moi. Mister Steel, c'est mon petit, je lui ai tout appris, il ne savait pas voler comme ça, il dit, attends, donne la radio, je vais te montrer seulement. Il était nul, je lui ai tout appris. Non, je connais très bien Mister Steel, il était mauvais seulement. C'est moi j'ai appris. Nouveaux objets. Eh bien oui, des nouveaux objectifs, parce que voilà, nouvelle année, nouvelle résolution. Donc on va essayer de faire grossir la chaîne, choper le plus de partenaires possible pour pouvoir vous offrir toujours plus de cadeaux. Expansion et giveaway à Google. On va essayer de faire ça. Ben, je compte sur vous parce que tout ça, ça va être grâce à vous, encore une fois. Hein, je le dis jamais assez, mais merci d'être aussi nombreux. Je pensais vraiment pas qu'il y a 10 ans et quelques, quand j'ai commencé cette chaîne, on serait plus de 10 000. Alors, à l'échelle du YouTube, c'est rien du tout, 10 000 abonnés. Beaucoup peut-être vont ricaner du fait que pour moi, je trouve que 10 000, c'est complètement exceptionnel, mais c'est vrai que c'est touchant. C'est très gratifiant, voilà, de savoir que les trucs qui m'animent, qui me font vibrer, qui me passionnent, le partage de connaissances, le partage de mes passions, eh ben, ça intéresse des gens, je trouve ça vraiment super cool. Et encore merci d'être aussi nombreux. Voilà, c'est vraiment génial. Continuons à faire une communauté encore plus grande et encore plus forte. Nouvelle collabo. Et oui, nouvelle collaboration, voilà, c'est Audio qui sponsorise cette vidéo. Et Audio, qu'est-ce que c'est? C'est un service qui vous permet d'avoir de la musique libre de droit, des bruitages libres de droit, pour égayer vos vidéos et toutes vos créations. Alors c'est vrai que quand on est vidéaste, amateur ou pro, quand on est créateur de contenu, on peut souvent être face à un problème de droit d'auteur sur les sons qu'on utilise, surtout quand nos vidéos sont partagées sur les réseaux sociaux, sur Internet, quand nos vidéos sont diffusées en télévision. Il faut... J'ai perdu un abonné là. Ça, c'est pas bien ça. Il faut t'abonner. On vient de dire qu'il faut s'abonner pour gagner le concours et toi, tu te désabonnes. C'est pas la bonne opération là, mon petit bonhomme. Tu te rabonnes tout de suite. Bref, parenthèse. Revenons au galop sur nos moutons.
Et quand on est face à ce problème, c'est là qu'Odio vient nous prêter main forte. Tout simplement en mettant à notre disposition une grande librairie de sons libres de droit, aussi de bruitage, et ça c'est vraiment vraiment cool, d'ailleurs je m'en suis servi de pas mal pour bruiter cette vidéo. Et donc en fait cette banque de sons va vous permettre de bénéficier de plein de sons qui sont complètement libres de droit, voilà, qui sont sous licence, et vous pouvez les utiliser à foison comme vous voulez, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en télé, où que vous soyez, que ce soit pour des clients aussi, pour de la com interne, pour les entreprises. Moi je sais par exemple que je fais beaucoup de corporate, et c'est déjà arrivé que je fasse des vidéos pour de la com interne qui au final finissent par être diffusées soit sur les réseaux, ou voire même des bouts parfois diffusés en télé, et là il faut absolument que votre musique soit libre de droit, sinon vous allez recevoir une lettre d'avocat, hein, soit de votre client, soit votre client va recevoir une lettre d'avocat des ayants droit qui vont dire attention, là on a vu que votre truc il a été diffusé à telle heure sur telle chaîne, là on veut récupérer de la caillasse, là vous avez les droits sur les trucs, là attention. Là votre client il va se retrouver con, il va vous appeler, il va vous engueuler, il aura raison. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir de la musique libre dans toutes vos créations vidéo quand elles sont destinées à être diffusées. Si c'est un film de famille avec Tata Suzanne, effectivement on s'en fout, ça reste chez vous, ça c'est pas important. Mais dès qu'on veut créer du contenu et le diffuser, c'est très important d'avoir de la musique libre. Petite parenthèse, peut-être que tu le sais pas, mais je suis vidéaste pro. Je vis de ça depuis 15 ans, ça commence à faire un petit peu maintenant. J'ai fait plein de projets divers et variés, d'ailleurs il n'y a pas longtemps on a tourné avec Denis Brogniart. Et ça, tu ne le sais pas parce que tu n'es pas abonné à mon compte Instagram, bordel de merde! Sinon, tu le saurais. Dans mon avant-dernier post, j'ai mis un petit bout du behind the scene, du tournage qu'on a fait avec Denis. Là, c'est mon pote, maintenant. Je le check. Moi, je check Denis, en parle de... C'est quoi le problème? Je le check. Ça, mon gars, sûr. Quels sont les avantages d'Odio par rapport aux concurrents? En fait, c'est très simple. Moi, pour moi, l'avantage principal, c'est que Odio, c'est une plateforme jeune. Et du coup, il y a beaucoup de sons qui sont exclusifs. Chez les concurrents, chez Artlist, etc. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de monde dessus, notamment les plus gros youtubeurs mondiaux. Et souvent, les musiques qui sont intéressantes, elles ont déjà été utilisées 150 fois. Et du coup, la musique que vous allez prendre sur ces plateformes et que vous allez utiliser sur votre contenu, elle aura déjà été écoutée, vue et revue. Et puis, du coup, vous allez perdre un petit peu de ce côté innovant, ce côté percutant qu'aurait eu une musique que personne n'a entendue. Et ça, c'est vraiment le truc qui est cool sur Odio, c'est que ils ont plein de musiques exclusives. Et ça, je trouve ça vraiment génial. C'est une librairie qui commence vraiment à s'étendre, Il y a de plus en plus de nouveaux sons régulièrement. La partie bruitage aussi s'étend, et ça, c'est vraiment cool. Moi, je sais que j'utilise beaucoup les bruitages pour donner un petit peu vie aux vidéos. Surtout que si, comme moi, vous faites du FPV, vous savez que les hélices s'entendent quand on vole, et souvent, on a besoin de rebruiter toute la vidéo, voilà, donc refaire les environnements sonores, rebruiter les véhicules parfois, les ambiances, etc. Et c'est vrai qu'avoir une banque de bruitage, c'est super utile dans ce genre de cas. Le truc qui est mortel avec Odio en ce moment, c'est qu'ils ont une grosse promotion de 70%. Et ça, c'est pas rien. Parce que c'est vrai que, quand on est vidéaste amateur, payer à l'année 199$, je crois, pour de la musique libre, ça peut faire très très mal. Là, quand je vous dis le chiffre, comme ça, ça pique. Mais en fait, quand on ramène ça au mois, ça coûte à peu près le prix d'un abonnement Netflix, par exemple. Donc, c'est pas si excessif. Surtout si vous faites beaucoup, beaucoup de contenu. Maintenant, avec cette réduction de 70%, c'est quand même énorme. Ça descend le prix de l'abonnement annuel pro à, je crois, 60 dollars, un truc comme ça. Et là, ça devient vraiment, vraiment intéressant. 60€, c'est le prix que je paye pour la Master Collection Adobe, tous les mois. Hein, donc là c'est pour l'année, ça fait plaisir. En plus, pour ma communauté, j'ai dégoté un petit coupon de réduction. Vous aurez 10% de façon quoi qu'il arrive. Donc à la fin de la promo de 70%, si jamais vous voyez cette vidéo dans quelques semaines et que la promotion est terminée, vous aurez quoi qu'il arrive 10% de réduction. Je vais mettre le coupon dans la description de cette vidéo, bien évidemment. Donc voilà, on a vu un petit peu ce que propose Odio. On va aller voir un petit peu l'interface, que ça donne, comment c'est foutu, et vous allez voir que c'est pas mal du tout. Donc là, on est sur la page d'accueil d'Odio. Je vais aller ici, là, dans mon compte, Browse Music. Et je vais tomber sur la page des librairies des musiques qui sont sur Odio. Si je prends le premier son là qui s'affiche, vous voyez ici qu'il y a une petite flèche. Si je clique dessus, il y a une deuxième version du son qui s'ouvre. Vous voyez ici que sur cette deuxième version, j'ai un petit micro barré. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de paroles. C'est un instrumental. Et ici, on a la version avec les paroles. Donc si je la joue... Donc là, on a un mec qui chante. Si je joue la deuxième au même endroit, j'ai que de l'instrumental.
ça va vous permettre en fait de pouvoir monter la musique comme aux vidéos. Ça veut dire que si vous voulez des parties où il y a de la voix, vous pouvez le faire. Si vous voulez des parties où il n'y a pas de voix, vous pouvez le faire aussi. Et ça, c'est vraiment top. On voit ici qu'il y a un petit dollar. Et quand on clique dessus, enfin quand on passe la souris dessus, on voit que cette musique ne pose aucun problème pour la monétisation YouTube. Et ça, c'est cool. Donc si je vais utiliser cette musique et avoir la licence pour avoir les droits d'auteur, je clique ici sur la petite flèche. Je crée la licence. Je peux voir la licence. Bon là, j'en ai généré plusieurs. Donc voilà, je peux toutes les voir, les télécharger. Voilà, donc quand vous téléchargez un son, téléchargez la licence. Et comme ça, vous êtes sûr de n'avoir aucun problème si jamais il y a des restrictions sur un site ou quoi. Vous pouvez prouver que vous avez la licence et les droits du son. Donc c'est super cool. Il faut savoir que si jamais vous n'êtes plus abonné à Audio, quoi qu'il arrive, les licences que vous générez, elles sont générées pour toujours, à vie. Donc on n'a aucun souci là-dessus. On va maintenant voir un petit peu l'algorithme de recherche d'Audio. Alors on peut trier les sons par ambiance, mood ici, donc on peut avoir des sons plus agressifs, plus en mode hymne. Enfin voilà, vous pouvez vraiment choisir le son et restreindre la... comment dire, la sélection selon l'ambiance du morceau. On peut le faire aussi par genre, bien évidemment, donc acoustique, ambiant, musique électronique, folk, hip-hop. Donc là, j'ai mis quoi tout à l'heure? Mood. On va mettre chill. Genre, on va mettre hip-hop. Vous pouvez aussi choisir les instruments principaux, ou en tout cas les instruments qui seront dans le son, par exemple guitare acoustique, basse, banjo. On va mettre piano, saxophone, snap synth, du violon, cello. Tiens, du violoncelle, moi je veux du violoncelle. Ah là, j'ai pas de truc de rap avec du violoncelle. Bon, clap and snaps, ah on a. On peut aussi trier par le thème de notre vidéo, donc ça peut être de la vidéo de, je sais pas moi, du FPV, donc aérien, de la vue aérienne, du corporel, du documentaire, de l'éducatif, de la mode, de la bouffe, du jeu, du paysage, de la nature, de la vie de la nuit, du road trip, du slow motion, timelapse, voyage, voilà. On peut, voyage par exemple, hip-hop, voyage et violoncelle, on a. C'est cool. On peut aussi restreindre la sélection selon la manière dont est construit le morceau. C'est-à-dire que là, steady, ça veut dire qu'il va rester stable tout le long. Ascending, c'est-à-dire que tout le long, on va avoir une montée en puissance. Middle crescendo, c'est-à-dire qu'à partir du milieu, on va avoir une montée en puissance. Et multiple crescendo, c'est-à-dire qu'à différents endroits du son, il va y avoir des montées, des descentes. Voilà, ça va être un morceau qui va varier. Donc ça, c'est super cool. Ça c'est vraiment un truc dont je me sers beaucoup parce que j'aime bien faire des montages un peu dynamiques. Et là, je sais que je peux choisir la manière dont est construit le morceau et ça c'est vraiment top. On a bien sûr le rythme du son, les BPM, donc soit du très lent ou du très rapide. On peut choisir une plage, voilà, de BPM. Donc on peut choisir aussi les types de voix, donc de la voix d'ambiance, de la voix féminine, masculine, ou des onomatopées, des hauts, ah, tout ça là. On peut choisir bien sûr la durée du son, on peut mettre encore ici encore une fois une plage. On peut choisir d'avoir que de l'instrumental, donc pas de voix, ou avoir que des morceaux avec de la voix. Voilà. Donc on a vraiment... alors attendez, je peux virer les filtres bien évidemment. On a vraiment un algorithme de recherche qui permet de choisir un son vraiment selon ses besoins, et ça c'est vraiment top. Bien sûr, on a la partie bruitage. Voilà, on a plusieurs catégories. Voilà, plutôt des bruits météorologiques, des bruits de pas, des trucs un peu cartoon. Tout ce qui est transportation, c'est tout ce qui est véhicule, voiture, métro, etc. Enfin, des trucs un peu plus... voilà, on a vraiment plein de trucs. Et si jamais vous ne trouvez pas dans cette catégorisation-là, vous pouvez aller tout simplement dans Search All et taper. J'ai envie de trouver une cloche, par exemple, je mets belle, si je clique pas, je mets belle, hop, et là, il va me trouver tous les sons de cloche qui sont répertoriés. Voilà.
des cloches un petit peu technologiques là, futuristes. Voilà. Donc là, c'est vraiment top. Si vous voulez pas utiliser l'algorithme de recherche comme je l'ai fait tout à l'heure, vous avez aussi des playlists, voilà, qui vont vous donner des catégories générales. Donc voilà, on a des trucs road trip, best of women, best of 2021, romantique. Voilà, on a vraiment plusieurs catégories. C'est top. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour du site. Au niveau du prix, donc on a des abonnements à vie, voilà, pour les bruitages, donc c'est 199$. Donc là, vous payez une fois et vous avez accès au site à vie, voilà. Pareil pour la musique, si vous voulez un accès à vie, c'est 300$, voilà. Donc là, après, vous avez accès à audio à vie. Vous payez une fois, vous êtes tranquille pour des années et des années. Et il y a l'Audio Pro, voilà, qui coûte 16,60$ par mois, qui vous permet d'avoir accès au bruitage et à la musique, voilà, pour 16€ par mois. Donc profitez, hein, des 70% de réduction qui sont en ce moment, hein, ça peut vraiment être intéressant pour pouvoir prendre ce type de service. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce que nos amis d'Audio proposent. J'aime vraiment bien l'interface, c'est très clair, c'est très très simple de trouver des sons qui sont, enfin, qui collent à nos projets, et ça, je trouve ça vraiment génial. D'ailleurs, le son qui est dans cette vidéo d'intro là, que je vous ai confectionné avec amour, vient d'Audio. Et franchement, j'ai cherché pendant quelques temps et j'ai vraiment trouvé, grâce aux algorithmes de recherche, pile le son qui convenait à mon projet, ce que j'avais en tête. Et ça colle vachement bien, je trouve que ça marche vraiment top du top. Écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des fonctionnalités de cette nouvelle plateforme Audio. Je ne sais pas comment ils le prononcent en anglais. Audio, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bah, prononcez-le comme vous voulez. Même peut-être, pourquoi pas, Audio, tu vois. Américaine, parce que moi j'ai un petit côté américain un peu, donc ouais, des fois je fais des prononciations un petit peu... alternative. Écoutez, je pense que c'est le temps de se quitter et de se dire à très bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. N'oubliez pas, bien évidemment, de vous abonner, hein, de liker, bien évidemment, de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Comme ça fait quand même très très plaisir. Portez-vous bien. Salut !